La principauté sera renversée. La principauté sera renversée. Et renversée. Renversée. Dieu, prends-moi. Vous voyez, ça a touché Dieu. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu dit, je vais t'instruire, je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, mais ne sois pas rebelle. Parce que pour guider quelqu'un, il faut que tu puisses suivre. C'est tout ce qu'il te demande. Acclame Jésus-Christ. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus pour les croisades. Les croisades sont un don de Dieu. C'est une arme de réveil spirituel. C'est une arme de guérison, une arme de délivrance, une arme de restauration. Et je ne crois même pas qu'il y a plus de 100 personnes dans la salle. Mais chacun peut témoigner que la croisade l'a béni. Il faut dire merci à Dieu en tant que peuple. Il faut montrer, il faut prouver à Dieu que tes yeux sont ouverts, que tu sais apprécier les bénédictions de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le passage, c'est l'autre jour. Quelqu'un lit pour nous Ézéchiel chapitre 20, verset 32 à 33. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays ». Nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte, à bras étendus et en répandant ma fureur. Amen. Amen. Tu peux continuer. Continue encore un peu. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus. Et en répandant ma fureur, je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi, j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Relis le verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu est très bon. Dis amen. Amen. Dieu peut aimer jusqu'à te dire, toi tu veux voler là. Tu ne vas pas voler. C'est-à-dire, il te barre la route. Tu dis, tu veux commettre l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère. Tu vas me servir. Je vais vous mettre dans les liens de mon alliance, forcé. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Si c'est nous là, fais ce que tu veux faire. Il y a des gens dans cette salle, Dieu a dit, tu vas me servir. Même si tu pleures, il dit, tu vas me servir. Ce que tu veux faire là, tu ne vas pas réussir. Relis le passage. Ézéchiel chapitre 20, du verset 32 au verset 37. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. On ne verra pas s'accomplir ce que vous planifiez, ce que vous imaginez là. Quand vous dites. Vous dites dans vos cœurs. Nous voulons être comme les nations. Nous, on veut vivre comme les païens. Nous voulons être comme les autres. Pourquoi tout le temps, nous, on est là, on prie. On ravette les idoles. Est-ce que c'est comme ça partout? Comme les familles des autres pays. Vous voulez vivre comme les familles des autres religions, des autres dénominations. Nous voulons servir le bois et la pierre. Nous voulons adorer les idoles. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, ok. Moi, je suis vivant. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je régnerai sur vous. Je veillerai sur vous. À main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus.
Et en répandant ma fureur. En répandant la fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples. Je veux vous sanctifier. Je veux vous mettre à part. Forcer. Ça, c'est fort. Des lits comme ça, c'est comme ça que Dieu te traite. Forcer. Tu dis, tu vas chanter en pleurant et en riant. Tu vas louer Dieu. Donc, dès qu'on finit là, tu vas entonner un chant. Il y a des gens dans cette salle, Dieu les aime tellement que il dit, tes petits projets de péché là, ça ne va pas s'accomplir. Tout ce que tu penses faire là, tu ne vas pas le faire. Continue. Et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. Si tu es même envoûté, il t'enlève de l'envoûtement. À main forte et à bras étendus. Ceux qui sont en captivité, il les ramène lui-même. Pas que tu as même combattu, il dit ça là, ça ne va pas s'accomplir. Je suis l'Éternel. Cette fille ici ne va pas faire ce qu'elle veut. Ce jeune homme ne va pas. Ce que tu imagines là, je dis, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Dis amen. Amen. Continue. Et en répandant ma fureur. Et ça se fait avec des jugements. C'est-à-dire que quand Dieu te barre la route, ça peut être avec des petits fouets. Juste pour te canaliser. Continue. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je veux vous révéler que je suis bon et que vous vous êtes mauvais. Parce que ce n'est pas une combine banale avec, comme les pêcheurs. Il te dit, tu ne feras pas ce que tu veux, mais il va te frapper pour te sanctifier, pour te montrer que il est un maître juste. Oui. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. J'aime ce verset-là. Il va te serrer, c'est-à-dire l'alliance avec Jésus. Le sang que Jésus a versé là, Dieu dit, il va t'attacher dans l'alliance. Tu ne peux pas retrograder. Quand j'ai dit souvent au frère que tu fais un plan même pour retrograder, ça va échouer. Si tu fais un plan pour retrograder, ça réussit, c'est que Dieu ne t'a jamais connu. Jamais. Il faut que personne ne vous trompe. La doctrine de Jésus est claire. Tu fais un plan de quitter le Seigneur, aller dans le monde et le plan réussit, il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié de toi-même. Et si tu t'empêches une fois, il faut écrire une histoire d'amour avec lui. Il faut dire que ça là, Dieu t'aime. Il y a des gens qu'il a livrés dans l'histoire, il a livré plusieurs personnes, mais toi, il te dit, je barre la route, il ne faut pas t'abuser. Donc un instrument, vous voyez des gens qui sont faibles, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Dieu leur donne l'arme de réveil, le renversement des principautés. Est-ce que ça veut dire qu'on est intelligent? Non, ça c'est Dieu qui te dit, vous allez me servir. Et ce que le diable pense contre vous, il ne le réussira jamais. C'est ce que ça veut dire aussi. Je vais vous mettre dans les liens de mon alliance. Même si on calomnie contre toi, ça ne va aller nulle part. Tu es attaché par l'alliance de Dieu. Et c'est lui-même qui sert le lien pour que tu n'échappes pas. Même le découragement même ne peut rien faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, tu dois savoir apprécier tout ce que Dieu te donne, parce que c'est planifié. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Quand c'est comme ça, quelqu'un ment sur toi, rends grâce à Dieu. Parce que c'est juste pour accélérer les desseins de Dieu. Dieu n'accélère pas ses desseins seulement avec des bonnes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Un jeune homme dit, je vais t'épouser. On déclare que vous êtes fiancés. Après, il dit, je rompe les fiançailles. Il faut danser. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu oublies ça, tu
tu vas pleurer comme un animal et ça fait mal à Dieu. Dieu te dit, celui-ci ou celle-ci ne me connaît pas. Je suis en train de le délivrer et il pleure comme s'il était fou. Prions ensemble, disons, Seigneur, nous sommes conscients du bonheur que nous avons dans les renversements des principautés. Le témoignage de deux personnes est vrai. Ici, là, on a entendu plus de deux personnes qui te disent, nous avons été bénis, nous avons été bénis, nous avons été bénis. Prions ensemble. Prions Lydie, un chant de louange. Tenons-nous debout. Alléluia. Nous allons chanter. Réjouissons-nous. Alléluia. Réjouissons-nous, bien-aimés frères, réjouissons-nous. Le royaume de Dieu est descendu parmi nous, bien-aimés, réjouissons-nous. Le Seigneur Jésus est descendu parmi nous, bien-aimés, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, bien-aimés frères, réjouissons-nous. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, bien-aimés, réjouissons-nous. Il a fait de nous des enfants de Dieu, bien-aimés, réjouissons-nous. Il a pardonné tous nos péchés, bien-aimés, réjouissons-nous. Nous sommes devenus des citoyens.
réjouissons-nous. En lui, nous avons reçu le pardon des péchés. Bien-aimés, réjouissons-nous. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu. Bien-aimés, réjouissons-nous. Co-héritiers avec Jésus-Christ. Bien-aimés, réjouissons-nous. L'Éternel des armées est notre Père. Bien-aimés, réjouissons-nous. Oh, acclamons-le. Le Seigneur.
Dieu. Viens dire merci à Jésus. Les uns après les autres. Célébrons son pastorat. Son pastorat d'amour. Seigneur, je suis très conscient du grand bonheur, oh Dieu, de la grande joie que tu procures à mon cœur au travers de la croisade, du renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour m'avoir choisi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour moi. Merci, Seigneur, de m'avoir gardé fidèlement toi jusqu'à ce jour. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, parce que quand j'ai voulu m'échapper, Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as ramené. Je te rends grâce, Seigneur. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Père, je veux te dire merci. Merci de tout mon être, Papa. Merci pour ton grand amour pour nous. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde pour nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, toi qui fais des grandes choses pour nous. Tu nous mets dans l'étonnement de tous. Tu mets un bouleversement dans notre vie. Tu fais briller l'éclat de nos soleils. Je veux te dire merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Super berger. Tout le monde dit amen. Hey. Super, super berger, je t'exalte. Il n'y a rien que tu aies à faire qui n'était pas pour mon bien. Il n'y a rien. Oh, super berger, qui est arrivé, qui n'était pas, Seigneur, un instrument en tes mains pour me rapprocher de toi. Je veux te bénir. Je veux te bénir, je veux te bénir, je veux te bénir pour les temps durs. Je veux te bénir, Seigneur, que tu as organisé pour me saisir, pour me rattraper, pour me maintenir en toi. Oh, tu seras toujours loué, tu seras toujours célébré. Cette nuit, tu me rappelles que tu vas combattre, 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 parce que tu ne vas pas choisir pour une alliance éphémère, c'est une alliance éternelle. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci, toi, le bon berger. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne. Seigneur, j'ai bénéficié de ton amour, de ton soutien, de ta protection, de tes conseils, de tes encouragements. Seigneur, j'ai vu la manière dont tu as bataillé pour que je demeure jusqu'à ce jour. J'ai vu la manière dont tu as bataillé pour que je persévère. Merci, toi, le bon berger, qui m'a guéri émotionnellement, physiquement, spirituellement. Et tu continues de le faire. Seigneur, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Seigneur, j'ai vu comment tu as travaillé dans le secret, comment tu as passé par des personnes, Seigneur, pour me confesser ton amour. Seigneur, pour me donner des paroles d'encouragement, pour répondre à des interrogations. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Toi qui as imposé ta volonté dans ma vie, et chaque jour, je vois ton amour. Seigneur, devant chaque situation, Père Tout-Puissant, tu agis profondément. Je te bénis, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te suis infiniment reconnaissante, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour pour moi, Seigneur. Ô Seigneur, merci infiniment, Seigneur. Quand j'entends ce soir que, Seigneur, tu ne vas même pas permettre que si je veux retourner un jour dans le monde, tu ne le permettras pas, Seigneur. Parce que l'alliance que tu as faite avec moi, Seigneur, c'est l'alliance de sang. Oh Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur, c'est vrai. Quand je vois ma condition d'autrefois, je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que faire monter vers toi des de grâce, d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, je t'adore.
Tu es mon Seigneur. Merci pour la croisade. Merci pour ce grand événement que tu as envoyé pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Seigneur, tu es très bon. Tu es bon Père. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de ce que tu nous as saisis au point où même si nous planifions, Seigneur, de rétrograder, nous échouons parce que tu nous aimes. Je veux te dire merci parce que tu nous as mis, Seigneur. Effectivement, Seigneur, tu nous as vraiment saisis. Et si quelqu'un, Seigneur, planifiait rétrograder et qu'il réussisse, c'est qu'il ne t'a pas connu. Et que cette personne doit avoir pitié d'elle-même. Je veux te bénir de ce que, Seigneur, tu nous aimes. Et que vraiment, Seigneur, tu nous as saisis pour nous garder avec toi. Que la gloire te revienne en Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton ministère pastoral efficace et excellent qui nous permet, Seigneur, de demeurer dans la bergerie malgré nos folies, nos passions, nos désirs, Seigneur, qui nous tiraillent et qui ont pour objectif de nous ramener dans le monde. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur, parce que tu as été si bon envers nous en manifestant ta grâce et que tes bras de paix nous ont toujours entourés pour nous ramener au centre de tes desseins. Merci, Seigneur. Par ton amour, tu nous as maintenus dans ton alliance. Tu nous as gardés proches de toi, ô notre Seigneur. Là où le péché a abondé, ô Seigneur, ta grâce, ta bonté a surabondé. Merci pour l'instrument de réveil, de délivrance, de bénédiction qu'est le renversement des principautés personnelles et familiales. Que tu nous as révélé, Seigneur, pas à cause de notre intelligence, mais par ta grâce. Ô notre Seigneur, nous voulons te célébrer, t'exalter, te magnifier pour cette bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, oh quel amour. Oh quel amour. Seigneur, pour moi, tu n'as fait aucun cas de ta vie. Oh, quel amour. Merci beaucoup, Seigneur, pour chaque croisade, Seigneur, de renversement de principauté. Oh, notre Dieu, durant lesquelles, Seigneur, tu nous fais du bien, oh, notre Dieu. Merci beaucoup, Seigneur, toi qui as tissé une alliance pour moi, Seigneur, dans le secret. Oh, notre Dieu, merci beaucoup, merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Père éternel, merci Seigneur pour les luttes que tu mènes, Seigneur, pour que je demeure en toi. À toi la gloire, Seigneur, sois célébrée au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te disons merci. Merci Seigneur, parce que je suis le fruit, Seigneur, de ta bonté. Le fruit, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu m'as mise, Seigneur, dans tes liens de l'alliance, Seigneur, notre Dieu. Lorsque, Seigneur, je me suis retrouvée, Seigneur, au carrefour, oh, Seigneur, pour faire un choix entre le mariage, Seigneur, et choisir Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as donné la capacité, oh, Seigneur, éternel, de discerner, et j'ai choisi, Seigneur, le chemin, Seigneur, de Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour m'empêcher, Seigneur éternel, oh Dieu, d'aller à la perdition. Seigneur, merci, Seigneur éternel, parce que, Seigneur, tu as été là. Seigneur, pendant, Seigneur, les croisades, Seigneur éternel, des renversements, des principautés, où, Seigneur éternel, tu m'as exaucé, Seigneur. Merci pour cette âme puissante, Seigneur, de délivrance, pour cette âme puissante, Seigneur, de salut, pour cette âme puissante, Seigneur, de guérison, de restauration que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Père, et nous te disons merci. Merci parce que, au travers de ces témoignages, nous voyons combien de fois tu nous as aimés, ô Père. Nous voyons combien de fois tu as manifesté ton amour. Car tu nous as donné un instrument au travers duquel tu agis pour délivrer, Seigneur. Tu agis pour changer la vie. Tu agis pour transformer. Et tu agis, Seigneur, pour délivrer, Seigneur.
béni soit ton Saint-Nom, oh, pour ta magnificence. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Parce que, oh, nous savons où crier. Nous savons où crier. Nous savons où élever la voix, Seigneur. Parce que tu agis dans le programme de renversement des principautés. Tu agis, nous entendons tous les jours des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages de personnes de divers horizons. Nous voyons combien de fois la vie change. Oh Père, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Parce que tu nous as parlé sur orphelin. Tu nous as montré comment il faut crier. Tu nous as montré comment il faut entrer en possession de sa bénédiction. Père, c'est une grâce, Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. Ton amour s'est manifesté, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette grande grâce. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le monde dit amen. Amen. Seigneur, nous Il te faut bénissons. Répondre à la prière. Dans une nuit de prière, il y a la personne qui prie et il y a les personnes qui disent amen. Sinon, on peut dire chacun prie étant assis. Il reste chacun prie. La prière est une pratique et est un art. Il faut connaître aussi l'art de la prière. Nous connaissons la pratique, mais l'art de la prière. Quand quelqu'un prie, tu écoutes ce qu'il dit. S'il rate, tu corriges. Dans ton cœur, étant assis, tu corriges. S'il veut prier pour le pasteur Dossaï, si je dis prions pour le pasteur Dossaï, et quelqu'un se lève et dit, Seigneur, que le frère de Gonzague soit béni au nom de Dieu. Toi qui es assis, tu dis, le pasteur Dossaï. Devant Dieu, c'est déjà corrigé. Inutile de dire dans la salle, Dossaï, 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 comme les petits oiseaux. Non. Une seule personne qui veille peut corriger la prière. Et quand on dit Amen, il dit Amen. Devant Dieu, c'est très important. Quand tu lis Apocalypse, on dit des milliards, c'est-à-dire le nombre de personnes qui prient compte. La Bible rend compte. Ils étaient environ 5000. Le nombre est toujours connu. 20 000 personnes en état de porter les armes. Ils priaient d'un commun accord. Pourquoi on précise? Et pour dire, ils priaient. Il y a l'art. Il y a la pratique. L'art met le beau, la splendeur. Tu construis une maison sans fenêtre, sans porte. On dit que tu es un grand architecte. Un villageois se lève, il fait une hutte avec les fenêtres et les portes. C'est lui qui a construit une vraie maison. Continuons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour le don de chaque croisade, ô Seigneur, du renversement des principautés personnelles et familiales. Au cours, ô Seigneur, mon Dieu, de laquelle, Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur. Ô Seigneur, au cours desquelles, Seigneur, il y a eu des guérisons, Seigneur. Il y a eu le salut, ô Seigneur, des familles en abondance, Seigneur. Il y a eu des délivrances, Seigneur. Il y a eu des guérisons authentiques, Seigneur. Ô Père, nous te bénissons, Seigneur, pour le bonheur que tu nous as accordé au cours de ces croisades, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la prière. Nous allons nous tenir debout et protéger l'édition 2024 contre les forces des ténèbres dans les abîmes, dans le séjour des morts, sur les terres, sous la terre, dans les mers, sous les mers, sous les eaux, partout où même une cellule se lève contre la croisade, qu'elle soit écrasée, brûlée. Si c'est un phénomène naturel qui soit banni, le vent banni, le froid banni, nous devons être bénis. Frères, Dieu a choisi notre église locale pour révéler la gloire de Dieu. Quand Dieu révèle sa puissance à un peuple,
c'est qu'il veut puissamment l'utiliser. Dieu a révélé sa puissance à Israël. Dieu nous a fait entendre des choses que nous ne devons jamais oublier. Et il nous a fait voir des choses que nous ne devons jamais oublier. Là où vous êtes des prophètes. Si un faux prophète vient te troubler, on doit seulement avoir pitié de toi. Quelqu'un te rencontre à rue, dit que je vois une étoile sur toi. Tu dis, ah bon, une étoile, tu t'approches. Si je te trouve, si je te trouve, un jour à Douala, j'exhortais une sœur. J'étais jeune pasteur chaud. Elle racontait les histoires. Une pensée m'est venue de là, chifler. J'étais prêt. Après, je me suis exhorté. Elle était une tétutesse démoniaque. Et puis elle est là, elle raisonne. Si je trouve que un faux prophète a dit à Esther que viens, il y a l'étoile sur toi. Elle aussi dit l'étoile, oui. Après elle dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Après elle t'impose les mains. Il demande, tu as l'argent, tu dis oui, c'est l'argent de l'église à la maison. Il dit, allons, tu me donnes. Tu te lèves, tu t'en vas donner. Avant de finir ton histoire, je te frappe. Tu ne diras à personne. Tu vas dire que quoi? Que ton père t'a frappé, pourquoi? Il y a une sœur. Des jeunes gens l'ont croisée. Ils prophétisent sur elle. Ils disent, assieds-toi. Au bord de la route, sur le trottoir. Ils lui ont imposé les mains. Si on te dit que cette sœur a été maîtrisée par deux petits bandits, ou bien ils étaient trois ou deux, on a trouvé une autre avec un sac. On dit, tu as l'argent, elle avait 350 000. On dit, il faut donner. Tu prends ça à la maison, tu ouvres ton sac, ça, tout va devenir de l'or. Ils ont pris un petit caillou, là, ils ont transformé en or. Elle a vu, elle a donné 350 000. Arrivée à la maison, elle ouvre le paquet, les papiers. On a trouvé une autre sœur à Koumassi. On prophétise sur elle. Elle est là, elle écoute, elle est contente. Après, on lui dit, mais tu as les pains? Elle dit, oui. Elle dit, allons. Ils ont pris un pain, ils ont étalé par terre. Ils ont trié les vrais, ce qui est joli là. Ils ont trié. Et ils lui ont demandé d'attacher, elle a attaché. Elle apporte elle-même sur sa tête pour les accompagner. Ils sont montés dans le taxi. Dès que la voiture est partie, elle se réveille. Et on ne trompe pas un vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a des esprits de l'hypnose. Ça travaille quand quelqu'un commence à prophétiser sur toi. Tu crois, ces démons te possèdent. Tu ne peux plus discuter. Il peut te dire, allons à la maison. Ils ont pris une dame. Il dit, on lui demande si elle a l'argent. Il dit, oui, oui, c'est à la maison. On dit, allons. Non, elle avait dit que le chéquier est à la maison. Ils l'ont prise, ils l'ont emmenée chez elle. Elle a ouvert la porte. Elle a pris le chéquier. Ils sont sortis. Ils sont allés au guichet. Elle a signé un chèque de 600 000. Elle a donné. On a compté l'argent. On lui a remis. Elle a donné aux gens. Et puis, ils sont sortis. Quand les gens montaient dans le taxi pour partir, elles se retrouvent. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? 600 000 francs sont partis. Est-ce que nous sommes à ça? Donc, le monde est spirituel. C'est ce que je veux vous montrer. Quand tu pries, tu dois croire que quelque chose va se passer. Des gens comme toi te trompent avec leurs esprits. Ça veut dire que si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons soumettre le monde. On a trompé une autre sœur. J'ai dit ça, je ne sais pas qui on est en train de tromper parmi vous maintenant, dont le Saint-Esprit te délivre. On a trouvé une autre personne. On dit, il y a un produit.
Si tu as ça, tu viens, on va acheter à tel montant. On lui a donné le nom de quelqu'un à Bassam. On dit qu'il est à Bassam. Et puis, il appelle le monsieur. Il fait comme si il est étonné. Mais qui vous a donné mon numéro? Et tu expliques. Il fait comme si c'est difficile. Après, il dit que bon, en tout cas, je sais, j'ai le produit. Vous pouvez venir. Dès qu'il a donné l'argent, il a tout compté, tout. On lui a donné les sacs de feuilles, de faux. C'est comme tu peux aller dans les rues, là, ramasser les papiers emballés. On lui a donné un sac d'ordures, de feuilles. Elle arrive à l'hôtel Ivoire, là où vous étiez réunis. On dit, il y a la chambre, et donc le numéro de la chambre, il n'y a personne dans la chambre. De notre chambre, temps, numéro, j'étais là, on a pris le petit café, le petit déjeuner ensemble. Elle dit non, la chambre est vide, il n'y a personne là-bas. Il appelle les numéros, personne ne répond. Donc le vol se passe quand tu payes l'argent. Dès qu'il leur dit que c'est fini, il déconnecte tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le monde est spirituel. Tu es faible, on t'avale. Les grands tyrannisent les petits. C'est comme ça le monde. Même la délivrance, c'est les grands qui chassent les petits. Donc, nous sommes avec le Jésus-Christ. Nous pouvons délivrer tout le des petits esprits des démons. Acclamez si tu veux acclamer. Même quand j'étais petit comme ça, je me faisais appeler maître des plans. Pour me tromper, c'était difficile. Difficile. Je te pose des questions, tu donnes ton discours. Les questions que je te pose sortent de ton propre discours pour te renverser. Donc il y a un là, il m'a pasteur Monet, il a déjà raté. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il a déjà raté. Pasteur Monet, tu avais prié pour moi à la librairie live là. Ah, peut-être que vous ne vous rappelez plus. Vous avez prié pour moi, comme vous priez pour beaucoup de personnes. Bon, je veux te dire que je suis maintenant en Espagne, que je suis avec une dame qui a beaucoup de richesses. Il donne aux églises d'être des hommes de Dieu, donc j'ai pensé à toi. J'ai pensé vraiment à toi. Donc tu envoies les références, ton passeport, tout ça. Et je lui dis que vraiment, comme tu dis là, Dieu m'a béni. Dieu m'a vraiment béni. J'ai tout ce qu'il faut pour le servir. Vraiment, je suis béni. Donc il faut trouver une autre personne. Vraiment, pour moi, là, je suis. Allez, crac, il a raccroché. Jésus-Christ. Un autre m'a appelé et dit, j'ai travaillé avec mes cousins, ça n'a pas marché, ils sont fous. Mais avec toi, je suis sûr que ça va marcher, parce que je te connais, tout ça. Mon patron vient là-bas, il y a le mercure. Un litre, c'est à combien de millions? Comme les gens aiment l'argent, ils savent que quand on entend millions, la locale commence à battre. Il te raconte une histoire logique, claire. J'ai dit non, je vais au dîner. Et bon, donc je rappelle après. Ils ont le temps, hein, ils sont aussi patients. Comme le réseau de rangée là, il a raccroché. J'arrive au dîner, il appelle. Il prétend qu'il appelle de l'Espagne. Ça peut être quelqu'un qui est même assis à côté. Donc il dit, mon patron vient là-bas. Il achète le mercure. Si tu as un litre, il achète un kilogramme à tel montant. Je lui ai dit que bon, moi je suis un pasteur, un ministre de délivrance. Je délivre les gens, je chasse les démons. Si ton patron avait un problème comme la cigarette, l'alcool, là tu l'envoies, je le délivre. Bon. Donc, s'il a des problèmes d'alcoolisme, tout ça, de la cigarette, il vient, je le délivre. Il a raccroché.
C'est fini. Donc ne vous amusez pas. Quelqu'un t'appelle et dit, fais-moi un transfert là, fais-moi un transfert là. Je suis un disciple. Parce qu'ils étudient tout, hein, disciple de tel. Je suis disciple de Honoré. J'ai des problèmes. Toi aussi, tu fais le transfert. Donc, il faut éviter ça. Alléluia. Donc, nous allons juger toute force, organisée ou non organisée, contre la croisade, existant dans le monde ambiant ou dans le monde physique, dans le monde spirituel. Toutes sortes d'obstacles. Dès que tu t'appelles obstacle, même si tu es une fourmi, tu es écrasé. Pour survivre, il ne faut pas t'appeler obstacle à notre projet de croisade. Alléluia. Prions ensemble. Tout ce qu'on appelle obstacle dans les cieux, dans les lieux célestes, sur la terre, dans les eaux, sous les eaux, dans les montagnes, dans les collines, dans les forêts, dans les cours familiales, partout où se trouve un obstacle, être humain ou objet, ou phénomène naturel ou surnaturel. Nous brisons tout cela. Nous cassons les reins du mal. Nous cassons les reins du mal. Nous brisons les réseaux d'orgueil. Nous proclamons la victoire de Christ. Nous proclamons la victoire de Christ. Prions en langue. Ketereka, ketereka, reka bakaseke, reka bakaseke, ere bakaseke, re bakaseke, reka bakasheka, oro bakasere bara koro bara koro bara kere bala, koro bara kere bala, koro bala kere bala, koro bala kere bala, ere bala kere bala, kere bala kere bala, kere bala, ere kabakaseka, reka bakaseka, ere bakaseka, re bakaseka baka. Dis, nous renversons tout, nous écrasons tout, nous démolissons tout. Tout obstacle humain, surnaturel ou naturel. Tout obstacle, tout obstacle, tout obstacle, tout obstacle, tout obstacle, tout obstacle. Kota rabaka singa rabaka singa rabaka singa rabaka urubaka singa rabaka raga singa urubaka singa rabaka singa urubaka singa rabaka singa. Guria bakasa bakasa gara ura bakasa bakasa kaba bakasa gara bakasa kaba gara bakasa gara ura bakasa bakasa kaba ura bakasa 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 baka ura bakasa bakasa baka ura bakasa bakasa gara ura bakasa gara baka. Dieu, au nom de Jésus, que toute personne pratiquant le mysticisme ou sorcier ou féticheur qui dira, je m'en vais voir, dit Seigneur, qu'il vienne et qu'il tombe sous la puissance du Saint-Esprit, qu'il tombe sous la puissance du Saint-Esprit, qu'il se convertisse, qu'il devienne un instrument de témoignage. Prions en langue. Zetakabaka, zetakarabaka, zetakabaka, urabaka, zetakabaka. Urabaka sere bakara bakase yete yete kerebete yete kerebete yete kerebete yete kerebeke yete kerebeke reke seka urabaka sere bakase ka singara dore dalba se bakara gaba. Dis Seigneur, délivre tous tes enfants qui ont peur des démons, qui ont peur du diable, qu'ils soient délivrés et qui deviennent des combattants efficaces. Prions ensemble. Dis Seigneur, envoie ta terreur comme tu as envoyé la terreur précédée Jacob. Qu'elle soit dans chaque nation,
qui sera avec nous en ligne. Même si quelqu'un est dans un village, s'il est connecté, que la terre de Dieu soit autour de lui. Pour frapper l'ennemi et libérer les captifs. Prions là. Dieu Père, qu'il y ait des délivrants de guérison à Tricoire. Des délivrants de guérison. Des miracles. Toutes sortes de miracles. Toutes sortes de révélations. Toutes sortes de visions à Tricoire. Et dans tout lieu où la croissance sera diffusée. À travers la RTI. À travers d'autres instruments. À travers YouTube et consorts. Que ton règne accompagne la croisade. Que les captifs soient libérés. Que la doctrine soit bien saisie. Que l'ignorance soit éliminée. Continue à prier. Veuillez vous asseoir. Si tu veux insister sur un sujet, un seul, et brièvement, tu viens insister. Père, que ta gloire se manifeste à tes quoi. Et dans tout lieu où la croisade sera diffusée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Obstacle, quel que soit ton nom, ta taille, quel que soit où tu es quitté et qui a l'intention d'aller contre à l'encontre de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales de 2024, nous te taillons en pièces. Nous te cassons en prison quatre. Et t'éliminons de l'existence. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oh Père, nous prions que ta gloire se manifeste à tes quoi. Nous prions, Père éternel, que tu opères des délivrances, des miracles authentiques. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh Père éternel, nous prions que pendant la croisade, la doctrine soit bien comprise, que l'ignorance soit bannie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous prions que ta grâce soit abondante à Tiekwa, de telle sorte que tous ceux qui viendront ayant des mauvaises intentions, Seigneur notre Dieu, tombent sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent, ô Père éternel notre Dieu, des instruments de témoignage au nom de Christ. Amen. Amen. Nous prions au nom de Christ que tout obstacle qui pourrait empêcher les frères de venir à la croisade, soit reversé. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui viennent de l'extérieur, que tout blocage soit levé. Au nom de Christ. Amen. Amen. Seigneur, s'il te plaît, que la lumière soit grande, que les esprits soient éclairés, que la doctrine, Seigneur, soit maîtrisée, saisie, connue, retenue. Seigneur, que les cœurs acceptent de se convertir et que les délivrances soient fracassantes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous protégeons au nom de Jésus-Christ la 16e édition de la croisade à Tiekwa dans le sang de Jésus. Nous appelons la ruine sur toute l'armée de Satan libérée pour s'opposer à la tenue de cette croisade. Nous la protégeons contre les forces du mal suscitées depuis les lieux arides, depuis les airs, depuis les lieux célestes, depuis le séjour des morts, depuis les abîmes, au nom de Jésus-Christ, depuis les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux. Nous les frappons, nous les dispersons, nous les disloquons, nous les taillons en pièces, au nom de Jésus-Christ. Et nous jugeons toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre de Satan visant à utiliser même les forces de la nature pour s'opposer au bon déroulement de cette croisade. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous plaidons, ô
Dieu, que ta puissance et ton règne accompagnent cette 16e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, afin qu'il y ait de grandes délivrances, qu'il y ait de grandes, oh notre Père, guérisons, qu'il y ait des révélations de toutes sortes, oh Père, s'il te plaît, fais-le, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et au nom de Jésus-Christ, nous le levons contre les forces invisibles et visibles qui opéreraient contre la 16e édition 2024. Nous les jugeons tous, nous les taillons en pièces et nous annulons tous les projets avant, pendant et après la croisade. Et nous libérons le ciel, nous libérons les hommes, nous libérons les projets, nous libérons tout et nous amenons tout à l'existence au nom de Christ. Amen. Dis à Dieu, merci pour ton ministère pastoral dans ma vie. Tu lui dis que je ne serai pas un rebelle dans tes mains. Je t'aime. Je veux te suivre. Amène-moi où tu veux. Dis-lui, tu es mon ami. Parle-lui avec beaucoup de tendresse. Dieu est doux, tendre. Il dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, je t'aime d'un amour éternel? Dieu dit ça à l'être humain, connaissant bien ses limites, ses faiblesses, mais il lui dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc nous pouvons nous réjouir que Dieu a dit que ce qu'on veut faire là, ça ne sera pas fait. Il faut grandir. Tu lui dis, Seigneur, tu ne me forceras même pas parce que je cherche ça depuis. Le psalmiste a dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu veut que tu lui dises que mon âme languit, je t'aime, je veux te toucher. On peut chanter un chant et Dieu le reçoit favorablement. Tu peux dire un mot, Dieu se fâche. Dieu a les sentiments comme nous. Il a dit à Job, quel est celui qui veut frustrer mes desseins par des paroles sans intelligence, par des discours sans intelligence? Il y a des gens qui prient, pensent qu'ils prient, alors que ce qu'ils disent même irrite Dieu. Quand tu veux prier, laisse que le Saint-Esprit te donne les mots. Ta prière peut frustrer les desseins de Dieu. On n'est pas libre de dire à Dieu tout ce qu'on veut. Moi-même, je suis un être humain. Tu es un être humain. Les gens ne sont pas libres de te dire n'importe quoi. À combien plus forte raison ton Dieu qui t'a créé. Un jour, les enfants d'Israël disaient, Dieu nous menace. Dit, pourquoi vous parlez dur comme ça? Qui vous dit de dire que je vous menace? Vous voyez, c'est comme si c'est le seul mot qu'ils ont trouvé. Dieu envoie des prophètes leur parler. Au lieu de dire que Seigneur, tu nous avertis, dis que tu nous menaces. Donc, prie et coopère. Dis à Dieu, je ne serai pas un âne. Je refuse d'être un âne. Je veux être un adorateur. Je veux coopérer, je veux te suivre. Avant de prier, quelqu'un lit Psaume 32, verset 7. Et 8. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Lis la suite. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. C'est bon. Relis de 7 à 9. Psaume 32, du verset 7 au verset 9. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruis. Tu t'arrêtes d'abord là. Qui a parlé là?
Qui vient de parler? Non. C'est David. Reprends. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Continue. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Lis la suite. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Alléluia. Du verset 1 au verset 6, au verset 7, c'est l'homme qui parle. Il commence au verset 1. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai. Qui parle maintenant? Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Dieu dit, d'abord le psalmiste, c'est-à-dire David, dans ce texte, David n'est pas le genre qui fait comme si Dieu l'obligeait à faire une chose très difficile. Il exalte Dieu comme étant un bon berger, un Dieu, un Père bon, qui pardonne le péché. Dont le pastorat apporte la délivrance. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Et Dieu est miséricordieux, il pardonne. C'est-à-dire, il ne faut pas faire comme si Dieu est un dictateur qui dit, vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire. Et puis, il écrase, boum, tu meurs. Non. Dieu est bon. David qui ne dormait pas. La culpabilité rongeait ses os. Il voulait garder le péché caché. Ça n'a pas marché. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Alléluia. Et il dit, je t'ai fait connaître mon iniquité, tu m'as pardonné. Tu l'as effacé. Il n'a pas seulement pardonné, parce qu'il a pardonné le péché et effacé le péché. Est-ce que nous sommes ensemble?
Nous allons étudier la doctrine de Christ un jour, point par point. Nous sommes en train de faire cela dans l'académie. Les gens qui n'aiment pas venir à l'académie, là, vous perdez beaucoup. C'est là qu'on étudie la doctrine de Christ en détail. Donc, tu es invité à la prochaine académie. C'est l'an prochain, on va étudier que veut dire abandonner le péché. On va montrer ça comme étant un grand point de doctrine. Il dit, et il exhorte tous les hommes à faire comme lui. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie autant pour de la détresse qui est autant convenable. Il dit à Dieu, tu es un asile pour moi. Dieu n'est pas un bandit qui vient te kidnapper. Dis à Dieu, prends-moi. Prends-moi. C'est auprès de toi que j'ai la vie. Dieu aime ça. Dieu dit à Dieu, prends-moi. Vous voyez, ça a touché Dieu. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Mais ne sois pas rebelle. Parce que pour guider quelqu'un, il faut que tu puisses suivre. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Donc, et David dit, qu'ainsi tout homme prie au temps convenable. Disons à Dieu, tu es un asile, tu es bon. Ne force même pas. Moi-même, je me mets à genoux. Prends-moi. Alléluia. Dis-lui, prends. Et Dieu entend. Que personne ne te trompe. Dieu a des oreilles. Dieu n'est pas ce que les francs-maçons enseignent ou les rosicruciens, une énergie. Dieu n'est pas une énergie. Dieu est une personne. Et Dieu a une existence. Il a une essence, il a une existence. Il a une demeure, il a un trône. Il a un gouvernement. Il a des armées. Si Dieu te prend pour te montrer seulement l'entrée à la porte où il y a son trône, tu ne veux même plus revenir. Même si tu aimes les frères, tu voudras rester là-bas. Vivre avec Dieu, c'est pas amer. Si on te montre rien que la porte de là-bas, on te dit, va dire aux frères, qu'est-ce que tu as vu? Tu vas dire, oh, Seigneur, moi je vais rester ici. Alléluia. Alléluia. Tu es pour moi un asile. Dis à Dieu, inutile de me contraindre. Moi-même, je fuis les démons. Ils sont méchants. Leur règne, c'est la ruine. Inutile de me forcer. Je veux ça. Quand tu parles comme ça, Dieu va donner des ordres à ses anges. Que vous voyez, allez à Djamé, là au temple de la SMC, là. Prenez celle-là, changez toute sa vie, arrangez ce qui est gâté dans son corps, c'est fini. Parce que tu l'as touché. Que personne ne te trompe, Marthe a parlé, ça n'a rien dit à Jésus. Marie est venue parler, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Pourquoi quand l'autre a parlé, ça n'a rien dit à Jésus? L'autre vient dire la même chose, mais prosterné. Jésus a frémi en esprit. Et la Bible dit, Jésus a pleuré. Et il a dit, où l'avez-vous mis? On lui a dit, viens et vois. Et l'histoire a changé. Vérifie ton voisin, dis-lui que nous sommes en train d'atterrir. Vous voyez, nous sommes en train d'atterrir. Si tu dors là, tu as perdu. Il faut être sensible quand on veut déjà atterrir. Si tu rates, tu attendras bientôt, on se voit demain. Est-ce que nous sommes ensemble? Tiens-toi debout, donc si le sommeil est très méchant contre toi. Les journalistes, est-ce que j'ai entendu la voix de Pascal à la prière? Viens d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'il est pour nous un bon berger. Où sont les autres? Où est Arnaud? Où est Toali? Où?
Bon, parle au micro. Père, nous te rendons grâce parce que tu es pour nous un bon berger. Tu prends soin de nous et tu nous tiens dans tes mains. Oh Seigneur, tu viens à notre secours lorsque nous prenons des décisions nuisibles à notre bien-être. Merci infiniment, Seigneur, pour ta fidélité, pour toute ton œuvre de pasteur dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Dis, oh Seigneur, inutile de me forcer. Je suis d'accord. Tu es pour moi la délivrance, la guérison, la protection. Tu es tout pour moi. Quand l'ennemi se lève contre moi, c'est en ton nom que je me cache. C'est sous ton nom que je me cache. Quand les eaux se lèvent pour m'engloutir, c'est ton nom que j'invoque. Tu es avec moi face à la maladie. Tu es avec moi face à l'opprobre. Tu es avec moi face à l'ignominie. Tu me délivres de tous les pièges du diable. Je me rends, je me donne à toi. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Loin de moi la pensée de te traiter comme un bandit qui vient me kidnapper. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Continue à lui parler comme un ami. Côté Rebassa Makashi Kama. Oh Père, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Tu es digne de régner sur moi. Tu es digne. Tes projets pour moi sont bons. Tes plans sont bons. Tes desseins sont bons. Rien de mauvais n'habite ton cœur contre moi. Tu es un Père, tu es un frère, tu es un ami. O tere kabase ka orote kabase kaba dene karaka bala kumara kase mikara kase ka ere kabakase ka ene karoka baka nul n'est semblable à toi et tu prends l'engagement de me conduire, de me guider, de veiller sur moi. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Que les semeurs qui sont là chantent pour nous. Un cantique que j'oublie le titre. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver se bornent mes souhaits. C'est toi, vas-y, allez-y rapidement. Chante ce cantique avec amour, avec joie, avec passion. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit que nous ne devons pas nous contenter d'entendre Dieu dire, je vais vous forcer. On doit répondre en disant, Seigneur, tu n'as même pas besoin de nous forcer. Un Dieu bon comme toi, pourquoi nous forcerais-tu comme si tu étais un bandit? Prends-nous, prends chacun de nous, règne sur nous. Numéro 144. Ton règne est merveilleux. Allez-y. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Je recherche
alors longtemps j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me chercheras dans cette nuit. Les anciens ne chantaient pas. Le cantique coûte combien? 3000 francs. Si tu es ancien, viens devant. C'est tu rends cadeau tout de suite. Donne à chaque ancien une copie. Moi, je paye tout de suite. Ceux qui ne sont pas là, ils ont perdu. Avec. Ancien, futur ancien, ancien. Si tu es futur ancien, viens. Il y a un qui a son cantique, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Viens. Toi, tu as le cantique, tu as gagné. On va le chanter. Oui, Gédéon, viens. Tu es un petit, très zélé. Ton zèle est un soutien, très fort. Je cherche les visages qui sont. Je te vois souvent. Viens. Oui. Viens. Ceux qui viennent, ils se cachent derrière, ils ont perdu parce que je ne. Oui, oui, je te vois souvent tout souriant, toujours bien. Trahir a déjà son cantique. Trahir calcule le nombre, combien nous devons aux gens. Et Benézer a son cantique. Tu as ton cantique? Bon, de donner à Benézer parce que. Ceux qui ont des cantiques là. Donnez-les rapidement, on chante. Ok, on reprend. Ça fait combien? 10.
Donc, le cantique est fini. Toi, viens prendre. Attendez maintenant. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Sentir ta puissance efficace.
Tu m'entends.
Bénis ton voisin. Tu le regardes sans le toucher, tu le bénis. Tu lui dis merci pour le bonheur que tu as eu en priant, étant assis auprès de lui ou auprès d'elle. Père, que ta grâce soit sur chacun. Que chacun arrive sain et sauf. Que les travaux à Tchékoa soient bénis, qu'ils ne soient pas interrompus par la pluie. Que les ouvriers viennent à l'heure, au nom de Jésus-Christ. Amen.